Mes frères, la personne qui dit « Ah, Dieu m'a oublié, il ne s'importe pas de moi », il demande comme ceci, Ésaïe 49,15, « Une femme oublie-t-elle son nourrisson ?» Puis il ajoute, « N'a-t-elle pas compassion du fils qui est sorti de son ventre ? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai pas. » C'est fini. Ce que Dieu promet dans la Bible, ce qui est venu à votre connaissance et ça réjouit votre cœur, cela, c'est déjà décidé. Vous devez juste y croire. Je vais lutter pour cette bénédiction parce que je vais profiter de cette bénédiction. Mes frères, dans tout domaine de votre vie, si vous cherchez Dieu, le diable ne va pas vous toucher. 1 Jean 5, 18, le mauvais ne le touche pas. On va maintenant voir cette personne donner son témoignage. Cette canne, c'est pourquoi ? Pour me retenir, parce que j'ai très peur de tomber. Madame, vous avez peur ? Oui. Combien de temps que vous l'utilisiez ? 4 ans. Oui. Pourquoi vous êtes mise à l'utiliser ? Parce que j'ai eu un problème à la jambe et je ne marchais pas. Je suis restée sans marcher. À présent, je peux marcher très lentement en m'appuyant sur ceci. Eh bien, mettez-la sur l'épaule. Vous êtes une femme de foi. Mettez-la sur l'épaule. Maintenant, on va marcher au nom de Jésus. Vous ne pouvez pas marcher. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Cet homme qui est derrière vous, il est fort. Venez. Et je ne vais pas vous laisser tomber. Venez en marchant plus vite. Vous allongez vos pas. C'est ça. Allongez plus vos pas parce que Dieu est en train de vous bénir, ma sœur. Maintenant, on va retourner par là. Plus vite à présent. Plus vite. Plus vite. Oh, elle va mieux. Elle marche déjà le double de ce qu'elle allait à ce moment-là. Venez plus vite maintenant. Plus vite. Plus vite. Dites-moi maintenant, comment est-ce que vous vous sentez ? Ma jambe est un petit peu plus relâchée. Oh, gloire ! Ça va mieux. Je vais sortir d'ici. Ça va mieux. Je suis déjà guérie. À présent, laissez-moi prier pour vous. Père, j'embrasse cette personne qui est en train de passer une phase difficile et qui déclare Dieu, aide-moi. Aide-la, Dieu. Dieu, je vais exiger la sortie du mal de cette vie. Je vais le réprimander maintenant. Mal, tu vas devoir battre en retraite. Je ne le demande pas. Sors maintenant des intestins de cette personne pour ne plus y rester. J'ordonne, sors au nom de Jésus. Père, merci et Amen.